Et coucou à tous, bienvenue pour le jour numéro 4 du défi des 21 jours de pensée positive. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va aussi. Je suis toujours sans électricité. Je fais la vidéo depuis le boulot, du coup, aujourd'hui. Donc, bienvenue en direct au Centre Origine pour la pensée positive du jour. Alors, de mon côté, je suis super heureuse d'avoir mon nouvel appart d'ici quelques semaines. Et en même temps, j'ai toujours pas d'électricité et c'est un petit peu galère le soir. Voilà. Du coup, ce matin, quand j'ai vu que ça serait toujours pas réparé là, certainement pas avant le début de semaine prochaine, j'étais un petit peu pas contente et pas forcément super positive. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré, je suis allée chercher la lumière à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai cette phrase que j'utilise quand j'ai du mal à trouver quelque chose de positif, quand mon cerveau et moi-même, nous n'avons pas envie de faire d'efforts. J'utilise cette technique-là qui est de me répéter. Et donc, je vais vous inviter, si vous aussi, aujourd'hui ou plus tard, vous pouvez le réutiliser pendant les 21 jours de défi. C'est une phrase, je me répète, tout est parfait, je suis exactement là où je dois être, je suis parfaite. Et je me répète cette phrase en boucle. Et ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est la noter sur un post-it, la mettre sur votre ordinateur, à l'arrière de votre téléphone portable, sur votre carte bleue, dans un endroit stratégique, le miroir de la salle de bain. Vraiment un lieu où vous êtes sûr que vous allez le voir tous les jours. Et cette phrase, il va falloir se la répéter quand on n'a pas comme ça de pensées positives qui viennent naturellement et qu'on n'est pas dans dans l'ambiance positive. C'est normal, on est des êtres humains, donc c'est complètement, complètement, complètement normal. Il n'y a pas de souci pour ça. Faut pas s'inquiéter. Faut pas se dire, oh mon Dieu, je suis pas du tout un être positif. Si, 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 vous êtes un être, nous sommes des êtres positifs et avec des humeurs. Et parfois, voilà, c'est compliqué un petit peu de se forcer. On a besoin de se forcer, on a besoin de se feinter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait pendant ce défi, c'est qu'on feinte notre cerveau pendant 21 jours. Du coup, voilà cette petite technique. Si vous avez une pensée positive qui vous vient naturellement, eh ben c'est simple, vous la gardez, c'est sur celle-là, vous la répétez comme un mantra aujourd'hui, vous démarrez votre journée avec, vous pouvez me la partager avec grand plaisir en message privé. Pardon, ou en message public si vous avez envie de la partager avec toute la communauté des personnes, des participants au défi des 21 jours de pensée positive. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en plus? Bah, passez une excellente journée. On se retrouve demain à la même heure. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne Pauline ta copine bien-être sur YouTube, à ma page Facebook, au blog Spirivi qui est partenaire de cette opération et de ce challenge. Et je vous embrasse fort, je pense fort à vous, on est bien tous connectés, ça vous, ça fait plaisir. Et je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente, magnifique, merveilleuse, lumineuse journée. Tout est parfait, nous sommes exactement là où nous devons être. Ouh, pas facile à dire. Je suis parfaite et vous êtes parfait. Je vous aime, je vous embrasse. À demain!